bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, cette église protestante évangélique ou encore cette représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Nous vous saluons ce matin dans le nom de Sa Majesté, chef d'État ou encore roi des rois, seigneur des seigneurs. Quand je dis chef d'État, c'est pour que tu comprennes, il n'est pas un chef d'État, lui il est un roi et il règne d'éternité en éternité. Quelqu'un me dit Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette convocation, pour cette grâce qu'il nous a fait la semaine dernière de nous engager. Nous nous sommes engagés à apporter aujourd'hui un sac de riz et un sac d'huile et nous voulons rendre grâce à Dieu de ce que le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons répondu massivement. Dis Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 16. Il a dit 1 Corinthiens 16 au verset 2. Il dit, donne-moi 1 Corinthiens 16 au verset 2, s'il te plaît. 1 Corinthiens 16 pour ceux qui ne l'ont pas au verset 2. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ce que tu peux, tu l'as mis à part selon sa prospérité. Dis Amen. Dis Amen. Alors, pouvons-nous rendre grâce à Dieu par des acclamations pour la grâce qu'il nous a accordée de nous mobiliser pour le panier solidaire. Pour le panier solidaire, nous sommes reconnaissants. C'est lui qui nous a rendus capables. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si tu as amené juste un petit sachet de riz, c'est déjà bon, mon gars, tu as amené quelque chose. Si tu as amené seulement un peu d'huile, tu as amené quelque chose. Ce qui est important, c'est d'amener quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Toutes les fois que Dieu te demande d'emmener quelque chose, ça veut dire que Dieu veut te donner quelque chose. Toutes les fois que Dieu te demande de donner, c'est parce que Dieu veut te donner. C'est la loi de donner, du recevoir. Tu ne recevras rien dans la vie si tu n'as pas appris à semer. Tu ne recevras rien. Ce n'est pas les prières qui vont te rendre capable de recevoir. C'est la capacité de donner qui va te rendre capable de recevoir. Dieu a fait, il a fait la terre, le monde selon ses lois, ses règles, ses principes. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Quelqu'un dit Amen. Quand tu veux recevoir davantage, donne davantage. Quand tu veux recevoir un peu, donne seulement un peu. C'est ça, c'est une règle, c'est une loi spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de ce qui nous a rendu capables de donner pour le panier solidaire. Je vous le dis encore. Le Seigneur m'a dit, ICC est une église dans la ville et pour le pays et pour la région. Et puisque nous sommes une église dans la ville, l'évangile a commencé à Jérusalem. Nous commençons d'abord, nous devons commencer par prendre soin de ceux de notre famille spirituelle. Dans la famille spirituelle dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui sont vulnérables et c'est normal et c'est biblique. Un jour, ils sortiront de la vulnérabilité, ils deviendront plus prospères, d'autres prendront leur place. Quelqu'un me dit Amen. Et ainsi de suite, les pauvres sortiront de la pauvreté pour entrer dans la prospérité selon Dieu. Et d'autres pauvres viendront prendre leur place et eux aussi par la parole et la puissance de l'esprit, ils sortiront et rentreront dans la prospérité selon Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi notre travail, notre devoir, notre responsabilité, c'est de prendre soin des personnes qui sont vulnérables et personnes qui n'ont pas de quoi manger. Ce n'est pas normal que quelqu'un ne mange pas dans la famille de Dieu, nous devons en prendre soin. Nous commençons par notre famille, mais notre vision, c'est de nourrir la ville de Brazzaville tout entière. Je vous le dis, nous allons nourrir tous les orphelinats, tous les pauvres, les veuves, les orphelins. Nous devons les nourrir et nous allons les nourrir. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour ICC seulement, non. Ça partira de nous et ça ira dans tous les orphelinats. La vision, c'est qu'il n'y ait aucun enfant orphelin, aucune veuve qui manque de nourriture. Non, ça doit changer, ça changera par toi et par moi. Dis Amen. Dis Amen. Nous sommes un corps et dans le corps, chacun doit donner selon sa prospérité. Chacun doit donner selon sa grâce qu'il a reçue du Seigneur. Dis Amen pour toi-même. Voilà, il faut aider les autres, il faut soutenir les autres. La bonne nouvelle, c'est ça aussi. C'est prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Alors aujourd'hui, c'était le riz et l'huile. Le riz et l'huile. La semaine prochaine, mais tu peux le commencer dès demain même. En venant un matin en prière ou quel que soit, tu peux venir même à tout le monde de la journée. La semaine prochaine, nous allons emmener des boîtes de conserve, des boîtes de tomates, les boîtes de sardines, les boîtes de viande, les, on appelle ça le corn de bœuf. Voilà. Tu sais pas c'est quoi le corn de bœuf? Toi, tu n'as pas grandi au Congo alors. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main et dis gloire à Dieu. Même si tu amènes une petite boîte, emmène quelque chose. Même si la boîte, une petite boîte de sardines, pas une sardine, une petite boîte, emmène quelque chose. Si tu peux en emmener 20, emmène 20. Pour emmener 50, emmène 50. 1000, emmène 1000. Boîte de tomates,
boîte de sardines, boîte de conserve quelconque. La semaine prochaine, ce sont les boîtes. Comme le dimanche, ça fait un peu lourd de tout emmener, tu peux l'emmener dans la semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? ICC, nous devons nourrir la ville de Brazzaville. Il n'y a pas un orphelin. Pourquoi? Parce qu'il est orphelin, il doit manquer de nourriture. Pourquoi? Pourquoi? Il doit trouver en nous une famille. Même s'ils ne viennent pas ICC, ce n'est pas notre problème. Nous irons vers eux. On ne leur demande pas de donner leur vie à Jésus. Non, on leur demande, nous on fait notre travail. Jésus fait sa part. Si je parlais à quelqu'un, dit Amen. Alors est-ce que Brazzaville pourra compter sur toi? Est-ce que la ville de Brazzaville pourra compter au moins sur une tomate, une boîte de tomates? Si c'est de toi que je parle, donne un Amen. Étudiant, ne me dis pas je suis étudiant, je n'ai rien. Si tu n'emmènes rien, tu n'auras rien. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu te demande toujours de donner. Aujourd'hui, il y en a qui ont mené 50 sacs de riz, 50 bouteilles d'huile. Il y en a qui ont mené 25, il y en a qui ont mené une bouteille d'huile. Qu'importe, mais on a emmené tous quelque chose. Dis Amen. Dans l'église primitive, lorsqu'ils faisaient ce qu'on appelle des fonds solidaires, des collectes solidaires, des œuvres solidaires, par le panier solidaire, chacun devait emmener quelque chose. Même la vieille cocotte, elle devait emmener quelque chose. Donc jeune homme, jeune femme, étudiant, toi oh je galère, non, emmène quelque chose. Et ta galère va s'arrêter. 2019, d'accroissement et d'expansion par le Saint. 2019, c'est le thème de cette année. C'est la parole prophétique que nous avons reçue. Pour toi, 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le... Une dernière fois, 2019. Et attendez. Ne t'habitue jamais à ce genre de choses. Ne crois jamais que c'est un acquis. Si tu veux créer ton futur, parle. Les gens qui ne parlent pas, je ne suis pas en train de m'amuser. Ah non, on ne s'amuse pas ici, on ne s'amuse pas. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a dit, c'est le thème de l'année. Donc c'est la direction dans laquelle Dieu t'emmène. Il t'emmène dans une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Par qui? Par. Donc tu reconnais que ton accroissement de cette année, ton expansion de cette année, tous ces domaines dans lesquels tu vas grandir cette année, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, par la puissance de Dieu. Dis Amen pour toi-même. Tous les domaines dans lesquels cette année tu vas grandir, ce n'est pas naturel. Les hommes ne pourront pas expliquer comment tu as fait. C'est normal. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, ni même par les diplômes. Non, 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 non. Pas par ton nom de famille, ni par ton ethnie. Non, c'est uniquement par mon esprit, dit l'Éternel. C'est seulement par le Saint-Esprit que cette année, tu vas augmenter. Tu vas te multiplier, tu vas devenir plus fort, plus consistant. Et ça a déjà commencé. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un Amen pour ta propre vie. Mon ami, c'est la parole prophétique. Cette année, nous sommes tous dirigés par cette parole prophétique. Dieu a parlé. Ce n'est pas par une invention d'un homme que nous ayons jamais parlé, non. Non, 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 mais c'est poussé par l'esprit que nous parlons de la part de Dieu. Autrement dit, quand Dieu a dit, je me calibre sur ce que Dieu a dit, je m'attache à ce que Dieu a dit, et je dis au diable, pauvre diable, tu es venu trop tard. Dieu a déjà parlé. Je suis la parole prophétique comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Je suis la parole prophétique. Je m'applique à suivre, à observer la parole de Dieu. 2019, mon année d'accroissement et d'extension par le Saint. Acclame le glorieux Saint-Esprit. C'est lui qui va le faire. Il est fidèle. Il est Dieu en nous. Il est Dieu avec nous. Il a commencé une œuvre. Il est fidèle pour l'accomplir. J'ai dit, acclame le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que la qualité de ton acclamation, est-ce que tu sais que Dieu regarde tous les petits détails?
Donc quand je dis, écoute, je n'ai pas dit te lever, j'ai dit acclame le Saint-Esprit. Alors il y en a qui se lèvent au pied. Fallait rien faire. Faut seulement t'asseoir. Laisse ton voisin qui a envie d'acclamer, acclamer la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Béni soit le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. C'est une manière d'honorer Dieu, la personne de Dieu, la présence de Dieu. Les acclamations sont une manière d'honorer Dieu. Autrement dit, quand on l'acclame, là, il dit à ce peuple-là, ils sont en train de m'acclamer de tout leur cœur. Voilà pourquoi quand tu fais ça, là, ne fais rien. Reste assis, laisse-nous tranquilles. Dieu n'est pas le Dieu qui cherche la majorité. Dieu, c'est le Dieu qui cherche les cœurs disposés. Voilà pourquoi quand je viens à l'église, écoutez-moi, famille ICC, si je viens à l'église dimanche matin et que je vois que nous ne sommes que la première rangée, nous sommes seulement là, tout le monde là-bas, il n'y a pas de tout est vide, je serai quand même joyeux. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vois pas ce vide. Je vois des multitudes. Bientôt, un jour, presque toute la ville viendra se rassembler pour honorer, pour entendre la parole de Dieu. Donc je ne suis pas impressionné par ce que je vois. Je suis impressionné par ce que je perçois dans mon esprit. Et c'est Dieu qui le fera par le Saint-Esprit. Oh, béni soit le glorieux Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'apprécions. Béni sois-tu. Nous t'aimons et nous te chérissons. Tu es l'Esprit de Jésus. Oh, tu es digne de notre admiration, de notre appréciation. Nous honorons ta présence, tes actes, tes œuvres. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit. Ah, tu es vraiment Papa. Tu es le Père en nous et tu es le Christ en nous. Béni sois-tu, magnifique Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Dis Amen et asseyons-nous dans sa présence. La semaine dernière, nous avons commencé, depuis deux semaines, nous avons commencé à parler de l'importance d'accueillir le Saint-Esprit. Parce que 2019, c'est vraiment notre année d'accroissement. Tu dois accroître. Et le premier domaine que nous sommes en train de regarder sous la conduite de l'Esprit, c'est le domaine de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a décidé cette année, dis avec moi cette année. Non, dis avec moi cette année. Dieu a décidé cette année de rendre sa présence plus visible. On va savoir que Dieu habite en toi. On va savoir que Dieu vit en toi. On va savoir que l'Esprit de Dieu habite en toi. On doit le savoir, on va le savoir. Jusque-là, on sait que tu es soi-disant né de nouveau. Mais ça ne paraît pas encore comme si tu es vraiment né de nouveau. Cette année, dans l'année d'accroissement, la présence de Dieu va s'intensifier. C'est-à-dire qu'elle va augmenter. Elle va se rendre de plus en plus visible. Même ceux qui ne te croyaient pas, tu n'auras plus besoin de faire des commentaires. Ils vont être obligés de constater que vraiment, Dieu est avec toi. Parce que Dieu a décidé d'intensifier sa présence. Dis Amen. C'est-à-dire que sa présence devient de plus en plus forte dans son église, Impact Centre Chrétien, mais dans ta vie, parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce sont les individus. C'est une communauté d'individus. Dis-moi Amen pour toi-même. Alors, puisqu'il a décidé d'intensifier sa présence, il est indispensable d'apprendre à accueillir, honorer sa présence. Parce que ce n'est pas tout, je le dis, que quelqu'un te visite, non. Quand tu as un distingué visiteur, non seulement tu veux te visiter, mais lui, son but, c'est de rester dans ta maison. C'est de rester auprès de toi. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire, il te visite, on voit que, waouh, Dieu est vraiment là. Mais on voit que Dieu est là au quotidien, lundi, mardi, mercredi. Quand tu marches, on voit la manifestation palpable et tangible de la présence et de la puissance de Dieu qui émane de toi. Et ça va être ton partage cette année 2019. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Mais la parole prophétique est toujours conditionnelle. Donc nous avons vu, nous sommes en train de voir comment faire pour apprendre à accueillir la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence manifeste de Dieu. Elle est manifeste par le Saint-Esprit. Il est en toi si tu es déjà né de nouveau. Il est au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen.
Et il veut intensifier sa glorieuse présence. Donc nous avons dit que pour accueillir la présence de Dieu, nous avons plusieurs choses que nous devons absolument faire. Je l'ai dit, nous devons apprendre à venir à nos réunions, à nos programmes. Nous devons venir en nous attendant à le rencontrer, en nous entendant à l'écouter, en nous entendant à entendre Dieu. Ce matin, pendant que je suis même en train de parler, il te parle de manière précise, il donne des paroles à chacun. Chacun reçoit quelque chose parce que tu es venu, pas pour entendre le pasteur Castano. Moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne connais rien. Mais à travers ce que Dieu dit par ma bouche, ou même à travers ce que Dieu dit par la bouche de ton voisin, Dieu peut te parler et Dieu veut te rencontrer ce matin. En réalité, Dieu veut te rencontrer chaque jour. Dis Amen. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'attente de notre part. Donc la première des choses pour accueillir la présence de Dieu, il faut la soif. Il faut que tu t'attendes à quelque chose de lui. Je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te toucher. Seigneur, me voici, je veux te toucher, je veux te voir. Il te sera fait selon ta foi. La deuxième chose que nous avons vue la semaine dernière, c'est que pour accueillir la présence de Dieu, nous devons apprendre à rechercher la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, avant de rechercher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans sa présence, mais on peut avoir la manifestation de sa puissance sans que sa présence ne soit manifeste. Nous devons chercher la face de Dieu, la présence de Dieu. L'Église a appris à chercher les miracles. Non, nous ne devons pas chercher les miracles, nous devons chercher le Dieu des miracles. La source des miracles, c'est Dieu lui-même. Nous ne devons pas apprendre à chercher des miracles. Il ne faut pas chercher la guérison ou la délivrance. Non, il faut chercher Dieu. C'est lui qui est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance, le Dieu du salut. C'est-à-dire, il est la source. Quand on a trouvé la guérison, on a trouvé la délivrance, on a trouvé la paix. On ne cherche pas la paix, on cherche le Dieu de paix, le prince de paix, le roi de paix. Quelqu'un dit Amen. On ne cherche pas la joie. Non, il ne faut pas chercher la joie. Si tu cherches la joie, dès que tu vas aller dans une boîte de nuit ou dans une discothèque ou dans un anniversaire ou dans une soirée où tu auras quelque chose de bien, tu vas dire, je suis dans la joie. Non, la joie ce n'est pas ça, ça c'est éphémère. La joie vient de Dieu. Quand on trouve Dieu, on trouve la joie. Quand on se tient dans sa présence, on a vu vendredi soir, ceux qui étaient là vendredi soir, donnaient un Amen. Ceux qui n'étaient pas là vendredi soir, ne dites rien. On est ensemble. Non, on est ensemble. Hein. On ne cherche pas la joie. On cherche le Dieu de joie. Parce que Dieu est un Dieu joyeux. On ne vient pas à l'église pour chercher la victoire. Oh, je veux avoir la victoire sur mes ennemis. Non, on cherche le Dieu de victoire. La source de toutes les victoires. L'éternel des armées. Si tu cherches la victoire, tu peux avoir la victoire dans un domaine et avoir la défaite dans un autre domaine. Or, quand tu rencontres Dieu, tu as cherché Dieu, tu trouveras Dieu, tu trouveras le Dieu des victoires. Lundi, victoire. Mardi, victoire. Mercredi, victoire. Jeudi, victoire. Samedi, victoire. Donc ta vie sera une vie de victoire et de triomphe. Pourquoi? Le Dieu de victoire, quand tu l'as rencontré, il te rend capable de vaincre dans toutes les situations difficiles. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Oh. Le Dieu de victoire, il veut faire de ta vie une vie de triomphe. En sorte que quand les ennemis se lèvent contre toi, ils vont dire, ah, lèvons-nous tout contre tout le monde, mais pas contre lui. C'est ça, dégage. Se lève pas contre moi. Tu te lèves contre moi, tu tomberas. Et si je me lève contre toi aussi, tu vas tomber. Cette année 2019, toute arme forgée contre toi va tomber. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu s'intensifiera dans ta vie. Ce qui veut dire que, pauvre adversaire, tu as des gens qui vont se lever contre toi. Il y en aura toujours. Laisse-les venir contre toi. Ils trébucheront et ils tomberont devant toi. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un Amen de victorieux. Quand on rencontre, quand on cherche Dieu, on rencontre le Dieu de victoire. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Il faut chercher Dieu. Église, nous devons chercher Dieu. Chercher à honorer Dieu. Chercher à rencontrer Dieu. Rencontrer Jésus, le Christ. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer le plus beau de tous les fils de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que de rencontrer le plus glorieux de tous les êtres? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer le Seigneur des armées célestes? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer celui qui a été crucifié, enseveli et ressuscité pour nous rendre justes?
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer celui qui a versé son sang précieux pour nous? Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Il est la plus belle des rencontres que tu puisses faire. Il est le plus beau des cadeaux que tu puisses avoir. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, le Prince des rois de la terre. On l'appelle aussi l'Alpha et l'Oméga, le commencement et puis la fin. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer ce Jésus le Christ? Mon ami, il faut rencontrer Jésus. Parce que quand on a rencontré Jésus, on a rencontré le Père. Quand on a rencontré le Saint-Esprit, on a rencontré le Père. Et en lui, il y a abondance de grâce. Tu veux la grâce? Ne cherche pas la grâce de Dieu, cherche le Dieu de grâce. Oh, dis Amen! Oh, je veux la grâce qui est sur ta vie. Non, cherche le Dieu que j'honore, le Dieu qui m'a rencontré, le Dieu que j'ai rencontré. On l'appelle le Dieu de grâce, le Seigneur de grâce. La grâce vient de lui. Si tu cherches la grâce, tu auras peut-être une grâce ou deux grâces, mais tu n'auras pas la source de toutes les grâces. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il faut chercher Dieu. Et quand je parle de Dieu, il est présent par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il emmène la présence de Dieu en toi et il demeure en toi et avec toi. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Père en moi. On l'appelle le Christ en moi. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Ah frère, il faut chercher Dieu. On ne cherche pas d'abord les miracles, on cherche d'abord Dieu. Et Dieu manifeste les miracles, manifeste les guérisons. Mais chercher ne veut dire quoi? Chercher son cœur, chercher à lui faire plaisir, chercher à plaire à papa. Rien pour moi n'est plus important que de plaire à Dieu, rien. Je préfère plaire à Dieu et puis ne pas être pasteur. S'il faut que je fasse, je ne veux pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je veux plaire à Dieu. Il m'a dit, je t'ai appelé. J'ai dit, mais Seigneur, on m'injurie. Il dit, va quand même. Moi, je t'ai établi. Ok. Donc, même si tu ne m'aimes pas ma tête, ce n'est pas grave. Lui, il m'a appelé. Il m'aime. Bisous. Voilà. Quelqu'un dit Amen. Quand on apprend à aimer Dieu, quand on apprend à faire plaisir à Dieu, je vous dis sincèrement, on se moque de l'opinion des hommes. Si ton cœur est tourné vers Dieu, tu veux plaire à Dieu, les hommes vont toujours te critiquer. Mais si tu as le choix, soit tu veux être apprécié des hommes, soit tu veux être apprécié de Dieu. Parfois, Jésus a dit que la parole déclare plutôt que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que quand tu aimes tellement Dieu, tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux aimer Dieu, dans ce monde de ténèbres, tu peux être persécuté et tu seras persécuté. Et il faut aimer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu. Chercher Dieu, c'est se concentrer, non pas sur sa main, mais sur son cœur, sur sa personne, sur ce qu'il est. Pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Est-ce que tu es conscient que Dieu est une personnalité divine? Il a un cœur, il a des émotions. La Bible dit que l'Éternel fut triste, l'Éternel est dans la joie, l'Éternel, ton but doit être de faire plaisir à son cœur. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Dans Ésaïe 26, il est écrit, mon âme te désire pendant la nuit. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche Dieu. Il dit, mon âme te désire. Donc, même quand je dors, je pense à Dieu. Il dit, mon esprit te cherche avec diligence, avec persévérance au-dedans de moi. C'est-à-dire, je suis là avec vous, mais en même temps, je suis en train de chercher Dieu. Mon âme désire Dieu. Quand je dors, je pense à lui. Et voilà pourquoi, quand tu penses à Dieu, quand tu cherches Dieu, le matin, quand tu te lèves, tu vas te rendre compte que il y a toujours un chant qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un chant qui est dans ton cœur. Quand tu te lèves, quand tu cherches vraiment Dieu, tu vas te lever le matin, il y a une mélodie qui vient le matin. Est-ce que ça arrive à quelques-uns d'entre nous ici? Tu te réveilles avec une mélodie. Avec une mélodie. Quelle que soit la mélodie, ça veut dire que ton cœur là est déjà prédisposé. Il est en train de chercher Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, mon âme te désire pendant la nuit. Mais si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas encore ouvert la bouche, tu vas dire que Bolingo nanga, chério, chouchou nanga, Bolingo nanga. Mon frère, tu dois dire Seigneur, aide, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Délivre-moi de ces choses. Quelqu'un dit Amen. Donc nous devons apprendre à chercher la présence de Dieu. Dis avec moi, je veux chercher la face de Dieu. La présence de Dieu. Oh, dis Amen.
Que devons-nous faire pour accueillir le Saint-Esprit? Le troisième point, c'est que quand on a rencontré Dieu après l'avoir cherché, nous devons apprendre, nous devons laisser Dieu diriger l'Église. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu diriger l'Église. Nous devons laisser Dieu diriger nos vies. Dieu veut diriger son Église. Quelqu'un dit amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Accueillir l'Esprit de Dieu, ça veut dire accepter de le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que quand nous venons, nous avons nos programmes, nos agendas, nos désirs, nos attentes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais qui t'a dit que Dieu a envie de suivre les 1, 2, 3, 4, 5? Des fois, il a envie de contourner et de prendre le contrôle de la réunion. Des fois, il a envie de te conduire juste différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La priorité des priorités quand Dieu vient habiter en toi, c'est que Dieu veut faire ce qui lui plaît. N'oublie pas, tu l'appelles Seigneur, c'est-à-dire souverain, c'est-à-dire maître, c'est-à-dire propriétaire. Il est le propriétaire de ta vie. Lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit de Jésus-Christ devient le propriétaire, le Seigneur de ta vie. C'est-à-dire celui qui est le commandant en chef. Quand il te dit on va à gauche, on va à gauche. Jésus nous l'a montré, que Jésus de Nazareth, le Christ, celui qui est venu du Père, du ciel envoyé par le Père, quand il était dans le jardin de Gethsémané, donc dans le moment le plus difficile de sa vie, alors qu'il va être livré à la croix, alors qu'il va être livré en spectacle, il est en train de crier à Dieu. Il dit, Père, cette affaire-là, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux l'éloigner de moi, éloigne de moi cette coupe. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'ai une volonté et toi tu as une volonté, mais moi je décide de soumettre ma volonté, mes envies, mes désirs à ta volonté. Toutefois, il dit bien, j'ai une volonté, mais toutefois, pas la mienne, mais la tienne. Le Saint-Esprit veut diriger ta vie. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. De toute manière, si tu diriges ta vie, tu vas échouer. Si lui dirige ta vie, tu vas réussir. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. En plus, lui, dans l'éternité, il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît la pensée du Père pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et une des choses terribles de nos jours, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous voulons seulement ce que la main de Dieu peut nous donner. Seigneur, je veux faire mon programme aujourd'hui de telle manière. Non, chaque jour tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Fais ce que tu veux. Moi j'ai mon agenda, j'ai mon programme. Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi. Quelqu'un me dit amen. Parce que l'Esprit de Dieu, il veut accomplir dans ta vie ce qu'il a décidé. Mais souvent, et surtout nos réunions, nos cultes, nos réunions, tout est paramétré, programmé. Et parfois, il n'y a pas de place pour l'Esprit. Il n'y a pas de place pour ce qu'il a envie de faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Nous devons apprendre à lui faire de la place. Nous devons apprendre à le laisser diriger. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige ma vie. Pilote ma vie. Conduis ma vie. Il y a deux manières de le dire. Avec ta bouche ou avec ton cœur. Toi, tu l'as dit comment? Si tu le dis avec ton cœur, cette simple prière, c'est le genre de prière que Dieu agrée. N'oublie pas, Dieu ne répond pas à la prière que tu as fait avec la bouche. Il répond à la prière que tu fais avec ton cœur. Si dans ton cœur, tu sens comme un soupir, le désir d'être conduit, le désir de plaire à Dieu, mais tu ne sais pas comment on fait, tout comme moi, alors dis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige ma vie. Fais ce que tu veux aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Beaucoup de gens, nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne voulons pas obéir à Dieu. Mon ami, la parole de Dieu est claire. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Premièrement, on se soumet d'abord à Dieu. On décide d'obéir à Dieu. On décide de s'attacher à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Et ensuite, on résiste au diable.
on résiste au diable et il dégage. Mais il ne dégage, la priorité c'est d'abord de soumettre à Dieu. Un jour j'ai vu une femme adultère comme tout, elle vient me voir, elle dit je suis oppressée par un mari de nuit, plusieurs maris de nuit. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis oppressée par un mari de nuit, parce que vous pouvez prier pour moi. Il dit, on va prier pourquoi? Mais toi-même, tu as déjà beaucoup de gars. On va prier pourquoi? Tu ne veux pas obéir à Dieu. C'est moi, à moi tu vas obéir. Tu te soumets d'abord à Dieu, à sa parole, parce que lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu te soumets d'abord à Dieu. Ah, ok. Tu as perdu le sourire. Ok. Il y a quelqu'un qui a perdu le sourire. Miséricorde, miséricorde. Dis-moi, aïe. Il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu, ça ne marchera pas. Priez pour moi, non. Il a dit, pardonne d'abord. Pardonne à ton frère. Non, je le hais. Pasteur, je suis malade. Je ne peux pas prier pour toi si tu es malade, si tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Parce que la maladie, souvent, elle vient parce que tu as un problème dans ton âme. Il y a plein de gens, on ne prie pas pour eux, ça ne sert à rien. Ils ne seront pas guéris, même si on impose les mains, on tourne ta tête. Ça ne changera rien parce que ton cœur est plein de haine, de colère, de ressentiment, d'amertume. Dieu ne peut rien faire, pasteur aussi ne peut rien faire. C'est toi-même qui dois dire, Seigneur, j'accepte de pardonner à un tel qui m'a fait du mal. Il y a beaucoup de guérisons qui ont lieu parce que tu acceptes juste de pardonner. Tu te soumets à Dieu, à sa parole. Donc, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh. Quand on se soumet à Dieu, maintenant on peut dire, Satan, sors! Et toi, tu vas dire, esprit de mauvais, sors! Tu es tout entier dans le péché, tu fais que mentir, tu dis, chassez l'esprit de mensonge, ça ne marchera pas. Oh, tu as perdu ton sourire, je comprends. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de te laisser diriger ma vie. Accorde-nous la grâce de te laisser diriger ton église. Autrement dit, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi marcher par l'Esprit. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'Esprit, ou encore, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour ça, il faut marcher par l'Esprit. Il faut marcher par l'Esprit. Tout se fait dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit et par la foi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et lui, il veut t'accompagner. Il veut te rendre capable. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Il dit, vous ne devez pas accomplir les œuvres de la chair. Or, beaucoup sont encore dans les œuvres de la chair. Pourquoi? Tu refuses d'obéir à Dieu. Il dit, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Elles sont manifestes. Ce sont la débauche. L'impudicité. Là, je parle comme Marcelo. L'impudicité. Ce sont les œuvres de la chair. Tu es impudique. Si Marcelo me voit, il va m'en vouloir. Ce sont les œuvres de la chair. Oh, tu as perdu le sourire. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. C'est-à-dire, il me faut une femme, il me faut un homme, il me faut un homme. Arrête ça, frère. Ça, on va en parler un autre jour. Le sang précieux de Jésus a été versé pour faire de moi un être nouveau. Et la même grâce qui coule depuis la croix me rend capable de ne pas pécher. Dis Amen. J'ai pas entendu ton Amen. J'ai pas entendu ton Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Avant de me marier à mon épouse, j'étais pas comme quelqu'un qui était là. On était cool. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en moi. J'étais rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, fais-moi haïr le péché. Je vous ai toujours dit, hein, moi j'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, fais-moi haïr toute femme étrangère. Fais-moi haïr la femme étrangère. Toute femme qui n'est pas ma femme, je vous hais. Voilà. Et moi-même, je dis Amen. Voilà. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas une haine contre toi. C'est contre ce que tu peux essayer de faire. Oh pasteur, je voulais vous dire, je te hais. Je n'ai pas fait exprès, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir des femmes qui me disent, Monsieur, je suis amoureuse de vous.
Et comme j'ai déjà beaucoup prié pour ça, je dis, madame, dégage. Et quelqu'un dit, amen. Tu sais pourquoi? J'ai appris à aimer Dieu et à faire plaisir à Dieu par sa grâce. Ce sont les œuvres de la chair. Je les condamne, je les refuse. Je ne veux pas. Ça fait 25 ans par sa grâce. J'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 25 ans que Satan a attaqué. 25 ans, il a échoué et il échouera toujours. Et dans ton cas, cette année, il va échouer lamentablement sur les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soumettez-vous à Dieu. Dis-moi, Dieu sait que tu ne peux pas changer par toi-même. Il le sait. Mais toi, tu es en train de lutter. Je veux y arriver. Tu ne peux pas. C'est le nombre de fois que j'ai crié à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, délivre-moi de la femme étrangère. Délivre-moi de l'influence de la femme étrangère. Délivre-moi du pouvoir de séduction de la femme étrangère. Frère, il y a des femmes, quand tu les vois, tu peux tomber juste en la voyant. Ma soeur, il y a des frères, quand tu le vois, tu peux tomber à la renverse. Seigneur, délivre-moi de la femme étrangère ou de l'homme étranger. Fais-moi grâce. Je veux faire plaisir à Dieu, non pas à ma chair. Je dois crucifier ma chair. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Cette année, c'est l'année de l'intensification de la consécration de Dieu dans ta vie. Dis un meilleur amen pour toi-même. Là où les œuvres de la chair avaient dominé ta vie, cette année, tu verras, avant le 31 décembre, elles vont te quitter. La débauche, l'impureté. L'impureté, c'est que tu n'as pas commis d'acte sexuel, c'est vrai. Mais tu es rempli de convoitise et de pensée. Quand tu penses, toutes tes pensées sont souillées. Tu te mets à suivre des films porno, puis tu zappes. Tu te mets à te masturber. C'est l'impureté. C'est un démon qui te pousse à faire ça. Cette année, son emprise sur ta vie est brisée. C'est ton année d'accroissement. Si tu reçois ces paroles, donne un meilleur amen pour toi-même. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup qui ont été délivrés juste en répondant des amens de violents? Il y a un frère qui était tellement dans la masturbation, quand on a dit oh, aujourd'hui le pouvoir de la masturbation est brisé sur ta vie. Il a dit amen. L'esprit est sorti. C'est la qualité de la réponse que tu donnes à Dieu qui détermine l'action de Dieu sur ta vie. Alors cette année et même aujourd'hui, toute emprise d'esprit d'impureté, d'impureté, d'impureté sur ta vie dans le nom de Jésus et par le sang précieux de Jésus, cette emprise est brisée sur ta vie. J'ai dit briser sur ta vie. Briser dans le nom de Jésus-Christ. Dieu veut un peuple qui est consacré. Marié, heureux, épanoui et marcher avec une seule femme ou un seul homme n'est pas une norme, ne doit pas être extraordinaire. C'est normal pour les enfants de lumière. C'est normal pour les citoyens du royaume. Vous serez saints car je suis saint. C'est tout. Mais il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Dis amen. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Dis seulement, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher par l'esprit. Dis-le de tout ton cœur, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de vivre par toi. Dis amen. Si nous voulons accueillir, honorer la présence de Dieu, il faut arrêter de faire semblant. Ok? Il faut arrêter de faire semblant. Quand ça va mal, ne dis pas ça va bien. Arrête de faire semblant. Dieu sait que tu mens. Arrête. David, quand on a dit, David, tu as menti. David a dit, je reconnais. J'ai menti. C'est ça. La sincérité. J'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Arrête. Nous, on est là. Tu vis dans le péché, péché, péché. Il y a toutes sortes de péchés, c'est vrai. Mais au moins, quand on le voit, on doit renoncer. Oh. C'est quoi cette génération de gens? Il vient à l'église, monsieur. Non. Bon, il ne faut pas m'énerver. Hein. Marcher par l'esprit.
Ça veut dire obéir à l'esprit. C'est-à-dire se soumettre à Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il sait que tu ne peux pas. Mais tu es en train de faire semblant. Pourquoi? Il te dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Abandonne ta vie à Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu diriger tes affaires. Tes affaires ne marchent même pas. Tu te bats. Laisse Dieu diriger tes affaires. Laisse Dieu diriger tes entreprises. Laisse Dieu diriger ton foyer. Laisse Dieu diriger tes enfants. Demande-lui de le faire et il le fera. Il y a plein de choses que Dieu n'arrive pas à faire parce que tu ne demandes pas. Je m'en sors. Ma mère m'avait appris. Ah bon? Quelqu'un dit Amen et je continue. Quelqu'un dit Amen et je continue. Il faut laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. L'Esprit de Dieu veut diriger son Église. Donc des fois nous venons pour un programme et l'Esprit de Dieu a un autre programme. Nous devons être assez sensibles pour savoir que nous devons laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a envie de faire. Si tu as compris, dis Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir le glorieux Saint, la glorieuse présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire encore d'autre? Le quatrième point, c'est que nous devons apprécier les œuvres de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Oh, la puissance de l'Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en train de manifester ses œuvres, il ne faut jamais considérer que c'est un acquis. Chaque jour qui passe, quelle que soit la réunion que nous avons, quelle que soit ce que le Saint-Esprit fait, ne te dis pas, oh, c'est encore le Saint-Esprit. Ne parle jamais comme ça. Tu viens de le banaliser. On ne banalise jamais aucun acte de l'Esprit. S'il a guéri une personne, bénissons Dieu de ce que Dieu a guéri une personne. S'il en a guéri cinq, honorons Dieu de ce qu'il a béni cinq personnes, de ce qu'il a guéri, délivré cinq personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais ne dis pas, ah, c'est souvent comme ça. Non, ce n'est pas souvent comme ça là. C'est une grâce à chaque fois qu'il nous est renouvelé, qu'il nous accorde encore. Donc à chaque fois, nous devons prendre le temps d'apprécier ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu parles, est-ce que tu comprends ce que Dieu dit ce matin? Il faut toujours prendre le temps d'apprécier ce que le Saint-Esprit est en train de faire et de ne pas banaliser ses œuvres. Rappelle-toi dans Exode 20, Dieu avait dit à Moïse, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est-à-dire que tu ne prendras pas le nom de Dieu à la légère. Tu ne prendras pas le nom de Dieu n'importe comment. Famille, parfois on prend le nom du Seigneur Jésus n'importe comment et à la légère. Et pareil, non seulement pour le nom de Jésus, mais pour ce que le Saint-Esprit fait, on le prend à la légère. Oh, c'est le Saint-Esprit. Quoi? Le Saint-Esprit, on lui accorde la révérence. On ne prie pas le Saint-Esprit. On parle au Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, tu es bienvenu. Saint-Esprit, nous t'apprécions. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous reconnaissons tes actes, tes œuvres. Glorieux Saint-Esprit, merci de nous révéler Jésus. Merci de nous révéler le Père. Glorieux Esprit de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais on apprécie les œuvres qu'il est en train de faire. Si Dieu passe par toi pour chasser un esprit mauvais, pour guérir un malade, et il le fait aujourd'hui, demain, ne crois pas que c'est une évidence, c'est un acquis. Non, à chaque fois qu'il le fait, c'est une grâce qu'il t'accorde. Et donc à chaque fois, arrête-toi. Dis Seigneur Jésus, je te rends la gloire de ce que tu as opéré, des prodiges et des miracles par la puissance de ton esprit. Je te rends gloire. Je ne suis rien, c'est toi qui l'as fait. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, la puissance, car c'est toi qui fais tes œuvres. Chaque jour, rends gloire à Dieu. Chaque jour, apprécie Dieu. Chaque jour, reconnais les œuvres de Dieu. Ne prends jamais ce que Dieu fait pour acquis. Et quelqu'un me dit un bon. Même toi, tu respires, tu penses que c'est un acquis. Non! Respirer n'est pas un acquis. Marcher n'est pas un acquis. Dans cette vie, sous le soleil, rien n'est un acquis. Rien. Encore moins la présence de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Ne prends jamais la présence de Dieu pour acquis. Mais tu veux accueillir le Saint-Esprit? Tu veux que Dieu prenne plaisir en toi? Conseil gratuit. Dès que Dieu fait quelque chose, dis Seigneur, merci. Même quand tu bois quelque chose, avant de boire ou après avoir bu, Seigneur, merci. Quand tu viens de manger quelque chose, avant ou après, de préférence avant, mais comme des fois tu es pressé, tu as oublié avant. Mais donc après, quand tu as fini de manger, tu dis Seigneur, merci. C'est une grâce que tu m'as accordée. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Apprécie chaque chose que Dieu t'accorde. Apprécie les manifestations de la puissance de Dieu. Quand tu vois l'Esprit de Dieu guérir quelqu'un, et que toi tu es malade, tu dis Seigneur, waouh, béni sois-tu.
Béni sois-tu de ce que tu as guéri mon frère, tu as guéri ma soeur. Quand tu entends le témoignage de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre, sois reconnaissant pour l'autre. Refuse la jalousie. Dis Seigneur, merci. Quand tu vois Dieu faire prospérer quelqu'un d'autre, dis Seigneur, dis Amen. Apprends à apprécier ce que Dieu fait. Apprends à apprécier les actes de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Bientôt terminé. Cinquième point, comment faire pour accueillir la présence de Dieu? Je viens de dire, il faut apprécier les œuvres de Dieu. Donc toutes les fois que tu vois la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force, la capacité de Dieu, dans quelques dimensions que ce soit, ne te dis pas, ah c'est toujours comme ça. Non, apprécie, 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 prends le temps, honore, remercie Dieu. Vraiment que tu comprennes cette parole. Que ta vie va changer quand tu comprends ces petits détails. Parce que souvent c'est dans les petits détails. Écoute-moi mon frère, c'est dans les petits détails comme ça là que la grâce de Dieu arrête d'agir. C'est dans les petites choses comme ça que la grâce de Dieu arrête d'agir. Parce que tu as oublié de dire merci. Or l'action de grâce, Dieu y tient. Il t'a accordé grâce, toi tu viens pour lui rendre grâce. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi chaque jour, tu ne peux pas passer une seule journée sans avoir pris le temps de rendre grâce à Dieu pour quelque chose. Mon âme bénit l'Éternel, mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Il te fait marcher, juste les petites choses. Il te fait marcher. Bénis Dieu. Tu respires. Bénis Dieu. Je peux voir. Rends grâce à Dieu. Chaque matin, il renouvelle ses bontés pour toi. Et pour les autres, mais d'abord pour toi-même. Apprécie-le. Célèbre Dieu. Je suis reconnaissant. Je t'apprécie. Je te célèbre. Matondo. Tatanzambi. Matondo. Oh Yahweh, Matondo. Dis Amen. Ce sont des petites choses, mais qui font grande différence aux yeux de notre Père. Ne sois tellement pas absorbé par tout ce que tu vois autour de toi que tu as oublié les petites choses. Le cinquième point, si tu veux accueillir le Saint-Esprit, nous devons apprendre à ne jamais avoir honte quand l'Esprit agit au milieu de nous. Oh là, tu dois dire Amen. Parce que le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Parfois, ce qu'il fait peut paraître spectaculaire. Cette semaine encore, pendant qu'on est là en train de prier, il y en a qui sont projetés. Il y en a qui sautent trois chaises projetées. On n'a même pas touché. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Quand la présence de Dieu, la gloire de Dieu remplit un lieu, il y en a qui peuvent rire. Toi, tu vas dire, mais oh, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Et toi aussi qui rentre de rigoler, n'aie pas honte. Apprécie ce que Dieu est en train de faire au travers de toi. Il y en a qui se mettent à prophétiser, mais n'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que des fois, ça prend un peu de temps parfois pour apprendre à maîtriser la grâce quand elle te soulève. Si on te met le feu dans tes pieds, tu vas rester là pour dire, j'ai le feu dans les pieds, j'ai le feu. Quoi? Donc des fois, ça peut arriver. Quand il t'embrasse par son feu, tu dis Et les gens peuvent se moquer de toi. N'aie pas honte. Bénis Dieu de ce que tu es un vase que Dieu a choisi. Bénis Dieu. Oh, dis Amen. Parce qu'il y a des moments où quand l'Esprit de Dieu saisit les gens, il est en train de manifester ses actes. Et il y en a qui sont gênés. Parce que ce n'est pas comme ça que toi tu voulais que Dieu agisse. Toi tu es Dieu. Il fait ce qu'il veut. L'un, il peut te soulever, te faire tomber. Pouf! Tu n'as pas demandé, hein, tu te retrouves par terre. L'autre, tu te mets à rire parce que la joie du Seigneur te remplit, tu commences à rire. L'autre, tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Oh, tu pleures à cause de la pureté, la bonté, l'amour de Dieu qui est en train de percer ton cœur comme une épée quand on fonce dans ton cœur. C'est l'amour. As-tu déjà rencontré l'amour de Dieu? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est touché par la grâce de l'amour et qui reste comme ça. Jamais! Quand Dieu se révèle dans son amour pour toi, mon ami, tu vas pleurer. Ce sont des pleurs d'amour. Je ne suis pas... les mots ne sortent pas. Il n'y a que la mort, le rhume qui fait que sortir. Tellement tu es reconnaissant de ce qui t'a aimé le premier.
Tellement tu es reconnaissant de ce que sa grâce t'a touché. Tellement tu es reconnaissant de ses compassions envers toi. Et tu es en train de pleurer. Et quand tu pleures, il y en a qui vont dire, mais pourquoi il pleure? Ne parle pas comme ton frère. Il est en train de vivre l'expérience de la présence de Dieu. Tais-toi. Et toi qui ne vis n'est pas honte. Il y en a dans les vies, dans l'église, sont parfois tellement éduqués, tellement cadres, tellement ingénieurs, tellement directeurs général ou ministres. Quand ils voient les gens sauter, les gens crier, ils disent, ils font trop de bruit. Tais-toi. Le roi David, il n'y a jamais eu de roi comme lui dans toute l'histoire d'Israël. Ce gars-là s'est mis à danser devant Dieu, en présence de Dieu. Il avait l'air ridicule, il avait l'air insignifiant, il avait l'air zoba. Il dit, mais toi tu me méprises, ce n'est pas devant toi que j'ai dansé, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Mon ami, quand Dieu passe par toi, sois heureux. Et si les gens se moquent de toi, tant pis pour eux. Je parle à quelqu'un, dit Amen. Il ne faut jamais avoir honte de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a des gens, je vous le dis, qui ont honte, qui sont dérangés par les actes de l'esprit. Fais attention, hein. Les actes de Dieu sont terribles des fois. Des fois, tu fais des choses terribles. Tu es ici, tu peux te retrouver là-bas. On dirait Superman. Qui t'a poussé? Quand Dieu manifeste sa gloire, les amis, on s'attend à tout. Tout peut arriver. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de costard, il n'y a pas de cravate, il n'y a pas de jupe, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a que la présence de Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen pour toi-même. Si le Saint-Esprit voit que tu es dérangé quand il passe par toi et quand il t'utilise d'une certaine manière, s'il voit que tu es dérangé, il va arrêter d'agir. Ça veut dire que tu n'apprécies pas les œuvres. Oh non, nous apprécions les œuvres de l'Esprit. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, c'est qu'il fasse ce qu'il veut. Et nous ne le suivons seulement le Saint-Esprit. Nous suivons Jésus qui est présent par son Esprit. Oh, si tu as compris, dis un bon Amen. En l'honneur de l'Esprit. Dans ICC, si tu vois un matin en prière ou à midi en prière ou la semaine de jeûne qui va venir, des choses terribles peuvent se passer pendant la semaine. À chaque semaine de jeûne et prière, des choses extraordinaires se passent toujours. Béni soit Dieu de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Et nous ne serons jamais embarrassés de ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Donc si un dimanche tu viens, tu vois le Saint-Esprit commencer à faire ce qu'il a envie de faire. Entre ceux qui tombent, ceux qui pleurent, ceux qui rient, tellement de manifestations. Mon ami, toi, concentre-toi, chacun pour soi. Nous sommes tous devant Dieu. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de faire et n'aie pas honte de ce que Dieu est en train de faire. Et quelqu'un dit un bon Amen. Le dernier point, si nous voulons accueillir, dernier point pour aujourd'hui, si nous voulons apprendre à accueillir la présence de Dieu, vous savez, il y a une autre chose qui est importante que le Seigneur me disait. Nous devons apprendre à le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Et parmi les laisser faire là, il faut le laisser interrompre nos réunions. Il faut le laisser interrompre nos... Vous avez un programme établi, on doit finir à telle heure. Mais je n'ai pas fini encore. Il fait ce qu'il veut. Des fois, il peut prendre le contrôle de la pièce. Dis-moi Amen. Dans 2 Chroniques 5, verset 13, alors qu'ils avaient décidé de déplacer l'arche de l'Alliance, ils étaient en train de déplacer l'arche de l'Éternel, donc la présence de Dieu. Ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils étaient en train de la transporter maintenant dans le sanctuaire. Et ils arrivent dans le sanctuaire. Et la Bible dit, alors que maintenant l'arche, la présence, dis avec moi, la présence de Dieu, s'est retrouvée dans la maison de Dieu. Dieu voulait montrer qu'il approuvait le fait qu'il était venu, on l'avait honoré pour qu'il vienne habiter dans sa maison. Alors il est écrit au verset 13, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Toujours, regardez dans toute l'histoire d'Israël, quand ils célébraient Dieu, ils avaient toujours les mêmes paroles qui revenaient. C'est pas toujours, parfois les chants nouveaux sont importants, mais puis il y a des chants qu'on appelle des chants donnés par Dieu lui-même. Ils commencèrent à célébrer l'Éternel en disant, car il est bon,
sa bonté durera toujours. Le mot miséricorde en hébreu veut dire bonté. Le mot miséricorde en hébreu veut aussi dire amour. Donc son amour durera toujours. Sa bonté durera toujours. Ses compassions durera toujours. Car il est bon et sa bonté durera toujours. Car il est bon et sa bonté durera toujours. Il n'en fait que dire car il est bon. Là, il ne loue pas Dieu. Là, il parle de ce que Dieu est. Il parle de ce que Dieu, pas de ce que Dieu fait, hein? Il parle de ce que Dieu est. Ils disent, il est bon, il est plein de bonté, il est plein de compassion, il est plein d'affection, il est plein de tendresse. Oh, sa miséricorde durera toujours. Il ne nous traite pas selon nos œuvres, mais selon sa miséricorde qui durera toujours. Autrement dit, en ce qui nous concerne, oh, béni soit Dieu, il nous traite parce qu'il est bon et sa miséricorde, ses compassions, son amour envers nous durera toujours. Il n'est jamais fatigué de nous aimer, il nous aime toujours. Cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève parce qu'il est bon et sa miséricorde durera toujours. Ils ont fait que chanter, sa bonté durera toujours. Ils ont proclamé l'amour de Dieu. Ils ont dit le Dieu, le... ils ont commencé à prélever. Ils chantaient car son amour durera toujours. Car son amour durera toujours. Dis Amen. Et alors qu'ils faisaient que chanter, ils n'ont fait que honorer sa présence en disant ce qu'il est. Car il est bon. Car il est. Car il est. Et son amour durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Et la Bible dit, à ce moment-là, la maison de l'Éternel, dans laquelle on avait emmené l'arche de l'Alliance, elle fut remplie d'une nuée, d'une fumée. Dis Amen. Verset 14, les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service. Les pasteurs n'ont pas pu continuer le service. Les pasteurs n'ont pas pu continuer à prêcher. Les pasteurs n'ont pas pu, ils ont dû s'arrêter à cause de la gloire de l'Éternel qui remplissait la maison. Oh. Donc, quand la gloire de Dieu va s'intensifier, attends-toi à ce que le pasteur aussi, lui aussi, laisse le micro et il se mette en arrière. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu touche qui il veut. Je suis en train de nous préparer à ce que Dieu est sur le point de manifester. Si tu comprends ce que Dieu dit ce matin, dis Amen. Donc, il faut accepter que des fois, il n'y a plus personne. Oh, mais il n'y a plus personne sur le micro. Mon ami, la gloire de Dieu a rempli la maison. Dis Amen. Alors quand c'est comme ça, plus personne ne peut faire le service. Plus personne ne peut parler. Plus personne ne peut rien dire. Même les chantres aussi, tout le monde par terre. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui fait son entrée. Dans Actes chapitre 10 au verset 44, il est écrit, je lui dis, il faut laisser le Saint-Esprit interrompre les réunions. Il faut attendre à ce qu'il le fasse et il faut le laisser faire. Pendant que Pierre est allé chez Corneille et Pierre a commencé à prêcher à Corneille et à tous ses voisins, à tous ses parents, la Bible dit que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit n'a pas attendu que Pierre finisse son message. Dis Amen. Le Saint-Esprit n'a pas attendu que Pierre finisse le message. Pendant que Pierre était en train de parler comme je parle, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et il a commencé à les remplir. Les uns, robobobobo, shambada. Les autres, arababa. Les autres, ouah. Les uns. Il fait ce qu'il veut. Laissons-le faire ce qu'il veut. Apprécions ses œuvres. Célébrons. Le Seigneur m'a dit, prépare mon peuple. Afin que quand j'intensifie ma gloire, même le dimanche, que personne ne soit choqué. Que chacun se laisse conduire par l'Esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Reçois cette parole. Ils ont juste chanté. Car il est bon. Car il est bon. Sa bonté durera toujours. Waouh! Ils ont seulement dit, l'Éternel est bon. 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 Son amour durera toujours. L'Éternel est bon.
L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Sa miséricorde dure toujours. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ils ont proclamé la bonté de Dieu. Oh, oh, son amour dure toujours. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je me souviens, ses compassions dureront jamais. L'Éternel est bon. Y a-t-il quelqu'un pour dire? Y a-t-il quelqu'un pour l'honorer? De ses compassions, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il a dit, souviens-toi de son amour pour toi, l'Éternel est bon, ses compassions dureront toujours. Bonté, l'Éternel, il te traite selon sa bonté, il te traite selon sa fidélité. Souviens-toi, médite sur ses bontés, l'Éternel est bon. Ses compassions, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel, notre trésor est papa, l'Éternel, il est notre papa, l'Éternel est bon. Il m'a justifié, il me sauve, il me guérit dans son amour. L'Éternel, il a versé son sang pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné son fils pour moi. Je célèbre les bontés de Dieu. L'Éternel est bon. Je veux simplement dire à Dieu combien il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel. L'Éternel est bon. Une dernière fois, je veux proclamer ta bonté. En 2019, ta fille, c'est une manière de lui dire tes bontés, tes compassions, ta fidélité, ta fidélité. Tu veilles sur ta parole
pour l'accomplir. D'âge en âge, c'est par toi ta fidélité que nous sommes encore. Ta fidélité, ta fidélité durera envers mon frère, ma soeur. Dis-le-lui pour toi-même. Bien fidélité, il m'a sauvé ta fidélité. Il a eu pitié de moi. Il m'a fait grâce. Ta fidélité. Il m'a tant aimé. Tu verras toujours. Ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Tu verras toujours. Ta fidélité. Ta fidélité. À ma paix. Tu verras toujours. Tes compassions. Ta fidélité durera toujours. Combien Dieu est bon, chantons-le. Combien Dieu est bon, il est bon, et tous feront combien ses bontés. Combien Dieu est bon. Nous voulons te dire combien Dieu est, nous reconnaissant. Combien ce matin Dieu est bon. Il est bon. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Dieu est bon. Et tous feront. Cette année 2019, combien je verrai Dieu est bon. Dans mon histoire, dans mon destin, combien Dieu est bon. Dieu est bon. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Et tous feront. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Combien Dieu est bon. Encore, simplement je veux reconnaître, je reconnais combien Dieu est bon. Dieu est bon. Qu'importe mon histoire, chantons-le. Qu'importe ce que j'ai vécu, Dieu est bon. Je veux déclarer. Et tous feront combien. Tes ennemis verront combien. Tes adversaires verront. Dieu est bon. Les méchants, ils verront combien. Cette année, Dieu est bon. Tes ennemis chantent-le. Sera manifesté. Combien et tous feront combien. Mes adversaires, ils verront combien. Ils verront combien. Ils verront cette année. Combien ils verront combien. Les méchants verront combien. Mon histoire verra combien.
Sataramandelebosia. Rebaba Torababa Setaka. Rababa Lekakato. Ribaka. Rikatao. Rebatoka. Ekata. Ribaba. Rekamade. Orababa. Ekatako. Ribababa. Remabateko. Ribababa. Rekabato. Le reba. Sekata, oh, reka, toto, ribaba, redaba, rebaba, 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 oh, rababa, rebako, sataka. Les ennemis doivent voir combien notre Dieu est bon. Il parle rebabo, setakaba. Des adversaires verront combien Dieu est bon. Habare, robobo, et son amour durera toujours pour toi. Ses compassions ne sont pas épuisées pour toi. Rekata, ribaba, bo, sekete. Haha, rababo, sekete. Combien Dieu est bon. C'est la barre des rebos. Et rabassé. Kamaye remande rebos. Et barre babos. Mama, c'était la barre. Car tu es bon, ta bonté durera toujours. Akei Rababa, les crocodiles, les oiseaux, les serpents, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ah, Rababa, les Sako Rababa, l'activité, les esprits méchants, cette année 2019, ils verront combien Dieu est bon. Il le verra. Seigneur et Père, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors s'élève un chant de reconnaissance. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Une dernière fois, de tout mon être, alors s'élève un chant en l'honneur de notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Pour nous mettre debout et acclamer le Dieu de bonté, le Seigneur de bonté, l'Esprit de bonté et de grande fidélité, dont les compassions ne sont jamais épuisées. D'âge en âge, elles se renouvellent, et ce matin, nous sommes renouvelés. Gloire au Dieu qui est bon, gloire au Père qui nous a tellement aimés, qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus le Messie, pour nous. Donnons gloire. Est-ce que tu veux donner gloire?
dans cette chaleur. Est-ce que tu veux donner gloire? Est-ce que tu veux rendre gloire? Dans cette atmosphère, est-ce que tu veux rendre gloire? Est-ce que tu veux apprécier? Est-ce que tu veux célébrer? Est-ce que tu veux rendre gloire? Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, pour ses compassions et pour sa bonté. Oh, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, pour son grand amour dont il nous a tant aimés. Y a-t-il quelqu'un pour donner amen à cette action de grâce? Seigneur et Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Aujourd'hui, tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu ce matin? Alors élève une main et prends le temps de lui dire merci de ce qu'il a parlé par son esprit. Le pasteur n'est rien. C'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Sans le Saint-Esprit, le pasteur ne sert à rien, il ne fera rien. C'est l'esprit de Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle par son esprit. Apprécions et rendons gloire à Jésus pour ses œuvres qu'il fait par le Saint-Esprit. Apprécions le Saint-Esprit qui a parlé ce matin. Rendons grâce au Père pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Abba, Papa, nous te rendons grâce. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Nous te rendons gloire, honneur et louange. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur. Y a-t-il quelqu'un pour donner un amen d'action de grâce? S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, donne un bon amen. Une dernière fois, pouvons-nous acclamer Jésus, notre Seigneur, le Père, notre Papa, l'Esprit, notre aide et notre soutien. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te remercions. Et dans le nom de Jésus le Christ, que nous t'avons rendu grâce, que nous avons chanté des cantiques en ton honneur, merci pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Dis un amen militaire. Non, là tu as fait un amen prolongé. J'ai dit un amen militaire. Amen. Non, ça c'est un amen prolongé. Amen militaire, c'est amen. Si tu es reconnaissant, dis un amen militaire. Encore un amen militaire. Amen. Amen militaire. Amen soutenu. Amen.